Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chelsea Luriana, ici c'est Chelsea et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de League of Legends. Donc je vous avais déjà montré une petite game sur ce jeu juste avant. Là je vais vous montrer une game particulière sur un mode particulier qui est disponible que ce week-end, on est dimanche. Ça s'appelle l'Ultra Rapid Fire, donc l'URF plus simplement. Il se trouve que dans le mode URF on dépense pas de mana. On a 80% de recharge des techniques, réduction de 80% des recharges des délais de récupération. Ceux qui dépensent des points de vie pour leurs compétences, c'est réduit de 50% le coût. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. La vitesse de déplacement est augmentée, l'or par seconde est augmenté. Tout va plus vite et tout est monstrueux. Donc, on va vraiment s'amuser de ouf. Donc les persos vraiment pétés dans ce mode, c'est Zed, Galio, Alistar. C'est vraiment Game Breaker. C'est vraiment un peu de. Moi je dirais c'est de l'anti-jeu un petit peu. Zed, pas trop trop. Enfin Zed un petit peu. Alistar c'est complètement Game Breaker, même s'il a pas. Il peut pas permastun. Parce qu'Alistar, je vous rappelle qu'il fait une charge sur un ennemi, puis il le fout en l'air. Et ça a à peine une seconde et demie de recharge. Donc voilà. Donc là le Galio est open, je vais pas le prendre, je vais vous montrer un perso super fun. Enfin, je vais vous montrer un perso fun. Personne n'y pense franchement, j'en ai rencontré un seul qui m'a affronté. Je me bats pour un futur plus beau. Vous allez voir, c'est assez drôle. Hein. Donc Jace, qu'est-ce qu'il fait Jace? Jace, il fait quoi? Son Q spell. Donc en fait, il va être en deux modes. Je vous expliquerai ça en game parce que là, je pense que la musique est trop forte. Donc je vous expliquerai ça en game, tranquillement. Donc voilà. Donc avec nous, on a un Echo, Lee Sin, Train d'Amer et Malphite. Train d'Amer, ça pue. Lee Sin, c'est pas mal. Echo, c'est plutôt fort. En face, ils ont une bonne team. Hein. Blitzcrank, Lee Sin, c'est chiant. Darius, j'ai jamais vu. Il c'est bof. Olaf, j'ai jamais vu non plus. On va voir, on va rigoler. À tout de suite dans la game. Je vais profiter du chargement finalement de la partie pour vous expliquer un peu comment fonctionne Jace. Il a un Q spell. Alors, le Q spell, alors, le, donc il y a Q spell, enfin c'est AZER, hein, les 4 sorts. Son ultimate, c'est une sorte de mode. En gros, il va soit passer en mode tir, soit en mode marteau. En marteau, il fait des dégâts au corps à corps. Et en mode tir, bien sûr, c'est à distance. Même s'il a moins de. Il tire à moins grande distance que les autres tireurs. C'est plutôt un top laner ou un mid laner. Bon, c'est plus vu au mid hein, en ce moment. Enfin, en ce moment. C'est pas vu du tout en ce moment, mais en gros, c'est plus au mid. Donc son Q spell, c'est il lance une petite boule électrique en ligne droite. Et ça fait des dégâts au premier ennemi touché. Le Z, ça va être. Donc là, je parle du mode tir. En mode tir, ce sera une boule électrique qui va en ligne droite. Le Z, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça. Donc en mode tir, j'ai vu la petite boule qui est en ligne droite. Comme ça. Hop. Donc, ok, je vais le bot tout simplement. Donc, voilà, donc que je vous explique un petit peu. Donc, en gros, alors je vous explique vite fait. Donc, l'ultimate, c'est soit passer en marteau, soit passer en tir. Et sachant que, bon, là j'ai très peu de charge, hein. Vous avez vu, c'est 80% de réduction des récupérations. Du coup, là, mon marteau, il est tout le temps. Enfin, je peux passer tout le temps en mode tir ou en mode marteau. Donc, marteau Mercury ou l'autre, c'est canon Mercury. Tout simplement. Donc, mon Z, ça sera. Augmente la vitesse d'attaque au maximum pour les 3 prochaines attaques. En gros, ça va faire. Au lieu de faire piou, piou, enfin, ça, je vais faire 3 attaques de base plus rapides. Mon E, ça va être un portail d'accélération. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça place un portail, c'est-à-dire une sorte de ligne,
quand je vais tirer une boule, ma boule va être accélérée, va aller plus loin et va faire plus de dégâts. Et en plus, tous mes alliés qui passent à travers vont avoir une vitesse de déplacement augmentée. Quand je fais mon marteau, j'ai une vitesse de déplacement augmentée. Et en marteau, mon Q-spell, c'est un saut vers l'ennemi. Mon Z, c'est une AOE électrique qui fait des dégâts aux ennemis proches. Et mon E, c'est un coup de marteau qui en gros repousse l'ennemi. Donc là, plutôt pas mal. Donc là, en face, on est en mode dur, vous avez vu. Donc mon Q-spell n'a pratiquement pas de temps de recharge. Je peux push comme un gros porc. On s'amuse, on s'amuse. Voilà, donc on va attendre notre niveau 2. Avec notre niveau 2, là ils vont voir. En gros, parce que là, ma petite boule, elle va loin, mais elle va pas assez loin. Voilà, je l'ai touchée là, mais elle va vraiment pas assez loin. On va essayer d'avoir notre niveau 2. Voilà. Et là, c'est fini, hein. Boum. Boum. Boom, là c'est insane. Hein. Là je poke, comme vous avez vu, ça fait des dégâts monstres. Hein. Voilà, je me suis transformé en marteau. C'est vraiment pas mal. Hein. Je l'ai touché. Oh, je l'ai touché encore. Je l'ai encore touché. Le toucher, le Lee Sin, non je l'ai pas eu. En fait je peux, en fait il se trouve que là je peux spammer mes sorts tellement comme un porc que du coup là ça les met tellement en difficulté, c'est ouf. Boum, boum. C'est voilà, vous avez vu le mode, hein, c'est assez fun. Mais par contre c'est jamais ce mode parce que faut vraiment se concentrer en fait. Il est mort. Je peux pas faire grand chose à part le poke. J'ai réussi. Bon. Là, il s'est fait tuer juste. C'est juste fait tuer. Ah là là. Oh, le Blitzcrank se fait défoncer. Ouais, il est bientôt mort. Hein. Ouais, je l'ai tué. Voilà. Donc voilà, la puissance du Jace en nerf. C'est assez monstrueux. On peut se transformer en marteau tout le temps. On a double AOE. Hop. Moi, j'ai fait le toucher. Je vais toucher. Voilà. Bon, je l'ai eu. Ah, il m'a tué, il m'a tué. Bien joué à lui. Je l'ai poursuivi jusqu'à l'infini aussi en même temps l'autre. Et là, on va partir. Je pense qu'on va partir. On va partir sur ça. Et après, on va partir directement sur ça. Donc là, on n'a plus de respect hein, pour l'ennemi. On n'a plus de respect. Là, on va faire des dégâts de monstre. Vous avez vu la dégâts que je fais. Hop. Maintenant, ça va changer. Voilà, là, je fais des dégâts de fou. Hein. Je sais pas où ils sont, mais là, je fais des dégâts de fou. Hein. Là, faut spammer les sorts. Hein, tout simplement. Ouais, je suis mort là. Hein. Je peux rien faire. En fait, il fout. Oh! Je l'ai tué! Je sais pas comment j'ai fait. Hein. J'appuie sur toutes mes touches, je l'ai tué. Ah, c'est assez monstrueux, Jace. Hein. Jace, quand c'est bien joué en nerf, c'est fort. Très fort. Il y a beaucoup de persos forts. Hein. J'avais dit, Galio, c'est complètement broken. Mais là, franchement, Jace, c'est fort de ouf. Hein. Donc là, on a plus le TP. On va revenir à pied.
ça c'est pas trop grave, hein. On va aller farmer un petit peu. Et maintenant, on va aller poke cette botlane. On a juste à tuer les sbires. Hein. Ouf, vous avez vu les dégâts que je fais. Hein. Boum! J'ai touché? Ouais. J'ai fait de la merde, hein. Ouais, il est mort. Voilà. Voilà. J'ai failli le tuer encore. C'est assez monstrueux. Donc on va partir sur encore des pleins de dégâts. Donc on va partir sur ça. Ça donne quoi? Couperet noir. Très bien, couperet noir. Alors partir sur couperet noir. Donc plus de respect. Hein. Il n'y a plus de respect. On va TP au mid, on va aller farmer un petit peu. Donc l'urf c'est pas fait pour farmer, mais nous, nous on veut casser des bouchins. Je l'ai juste défoncé en fait, il n'a rien fait. On va push la tour. Hop. Voilà, c'est juste pour sécuriser un peu les lanes. Sinon je vois rien et je me fais gank non-stop. J'arrive. Ok, c'était bien joué. Sauf que je suis là moi. C'est trop fun ce perso. C'est tellement fun, l'urf c'est trop marrant. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point dans mon Z. Faut vraiment monter le portail pour avoir encore moins de temps de recharge. Ça marche pas avec tous les sorts. Hein. Ok. J'ai touché là. Oh! Ouf. Ah, bon, ok. C'est pas grave. Nous, on est feed. On a masse dégâts. On va partir sur la BT, je pense. On va acheter ça tout directement. Ah ouais, on part full dégâts. Hein. C'est inutile de se build tank sur ce mode. C'est utile de se build tank sur ce mode uniquement si notre personnage a beaucoup de contrôle, type Alistar. On va taper là, mais on va se faire interrompre, je m'en doutais. Je vais faire un peu de la merde, mais c'est pas grave. Donc là, on va juste poke pour mettre des gros trous. J'ai pas envie de prendre des risques. Je vais en prendre quand même. Mais... Ouh. Wow. Wow, 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 wow. Oh, d'accord. Oh, il a pris. Hein. Il l'a pris. Je one shot lesbien.
Ça, c'est pas vrai. Bien joué. Oh, il est là. Genre, lui, il a plus que spell depuis ce dernier. Notre vie, c'est nul. Hein. Voilà. Tradamer AD. Non, mais c'est fort, hein, Tradamer. Mais pas en Yorf. Mais il fait quand même 13-3. Hein. En fait, c'est juste qu'il a son ulti tout le temps, donc il a toujours l'invulnérabilité en plus. J'ai remarqué que je suis top farm de la game, uniquement parce que les gens, il faut qu'on trade et sans farmer, mais farmer dans ce jeu, dans ce mode, bon, ce mode est fait pour s'amuser, hein. Il est pas censé être fait pour farmer. Attention, ça va piquer là. Où il est, mais il est par là. Il a intérêt à fuir. Je sais pas où il est, lui. Il a pris un triplé. Très bien. Ok. Olaf, c'est relou pour moi parce que du coup il est pas. Ça ralentit ça? Non. On va essayer d'aller tuer le Olaf. J'ai pris mon chemin. Ouais, je l'ai un peu défoncé. Il y a le Darius là. J'ai pas de vision, je vais pas y aller. Oh. Je vais m'embêter. Oh. Défoncé. Le malfit, c'est sympa. C'est bizarre Darius, avoir pick Darius comme ça. Bon, je pense que c'est du. Tout le monde teste un petit peu tous les champions. Plus ou moins sympa. Je vais partir sur la pénétration armure. Et là, je vais faire des énormes trous. Hein. Faut dire que mon Q-spell fait déjà pratiquement 5, plus de 500 de dégâts. Avec ça, ça fait 40% en plus. Voilà, je fais des gros trous déjà. Lui, il a de l'armure ou pas? 125 d'armure. Mais Olaf est déjà résistant de base. Je vais foutre un bouclier là-dessus. Hein. Oh, dommage. On va aller le tuer. Je pense qu'il a pas bougé du bush. Oh! Le seul défaut, enfin le défaut, c'est pas vraiment un défaut mais quoi? Pourquoi c'est pas moi qui l'ai tué? J'ai pas compris là. Oh, il est pas drôle, tant d'amère. Il tue tout le monde. Interruption.
Moi, je suis un gros chien, moi. Tryhard. What? Je l'ai tué quand même, hein. Je l'ai tué. Donc en 1v1 pur, il perdait de toute façon. Ok, donc là on part sur la pénétration d'armure. Et après on prendra un Sterak. Non, on prendra pas un Sterak. On prendra encore des dégâts. Je sais pas sûr. Je sais pas ce qu'on va prendre, peut-être ça. On verra. Sinon on prendra quoi? Vos attaques de base, on s'en fout. Ah bah ouais. Prends la Trinité, tiens. On va rigoler. Je sais pas si la Trinité marche sur ma boule. Je crois pas. Je sais pas où il est ce code là. Il doit être là sûrement. What? Alors là, j'ai fait mon Q-spell. J'ai sauté et avant de toucher, le Blitzcrank m'a mis en l'air. Du coup, je me suis fait. Oh putain, ça troll. Putain, même mon. Et du coup, je me suis fait stop mon Q-spell, donc mon direction le ciel. Donc, j'ai bondi sur un ennemi. Ça s'est fait stop par le Blitzcrank qui m'a fait. Ça devrait pas être possible, ça a visé quand même. Oui, quand tu te prends un bump, mais là. Il m'a ciblé avant que je puisse le toucher alors que j'ai sauté sur lui quoi. C'est un peu abusé quoi. Celui-ci en face est 10 fois meilleur que le nôtre. Hein. Et là ça push, ça push. What? On n'hésite pas à flasher hein. Putain mais ferme ta gueule toi! What the fuck ce champion? Ok. Je me suis fait défoncer. Ça fait quoi ça? C'est bien ça. Hémorragie. Et ça, ça fait. Ça, c'est fort ça. 400 thunes. Bon, bah, on a loué cette game. C'est pas grave. Voilà, je vous ai montré un peu Jay. C'était plutôt sympa. Après, je peux pas faire grand chose vu qu'il. Bah en fait, là ils tryhardent les mecs, c'est de la violence. Boum. Ouais, ok, ça tryhard de ouf, bon c'est pas grave. Regarde le maître Yi, péqué. Alors ça, moi je supporte plus ça. Les mecs ils se prennent pour X péqué, je sais pas pourquoi il a dit ça d'ailleurs. Ah le 3 AFK, j'avais même pas vu. On va le report hein, pensez bien à report les mecs AFK. Reportez pas pour n'importe quoi, ça sert à rien. Donc voilà, donc le train d'amer qui ne servait à rien. Le train d'amer, c'est pas fort. Hein. Qui a dit ça? Enfin bref, voilà, c'était une petite game en urf bien sympathique. Vous avez vu, c'est assez rapide. Donc je vais vous laisser ici. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.